par exemple, les Marseillais à Dubaï, c'est ça leur métier. Être Marseillais à Dubaï. C'est tout. Ça s'est passé dans le réveil de Typique. Bonjour, vous allez bien ? Oui, toi ? Impeccable. Alors, dans la catégorie « Plus rien ne m'étonne », même si j'avoue avoir quand même été un peu surpris, au Pérou, un homme qui se promène avec une momie vieille de 600 ans, qu'il considère être sa petite amie, a été arrêté et placé en détention provisoire. En lisant l'article, je me suis dit « Tchè, c'est sévère au Pérou. Nous, en Belgique, ça fait 20 ans qu'on en a une au gouvernement, on fait rien. Là, une balade au parc, bim, détention provisoire. Sinon, aujourd'hui, rien à voir. J'ai envie de vous parler de ce phénomène inexplicable. Que dis-je, ce phénomène, ce mystère de la vie, ce crime contre l'humanité, j'ai nommé les influenceurs. Alors, attention, pas n'importe quel influenceur, ceux issus de la télé-réalité qui vivent à Dubaï. Le package full premium du néant, l'incarnation vivante du Camoulox, l'hommage à la contraception. Sérieusement, les influenceurs de Dubaï, c'est le genre de personne qui te fait comprendre que parfois, se terminer dans une chaussette, c'est pas plus mal. Le problème, c'est que eux ne l'ont pas compris et le danger, c'est qu'ils se reproduisent. Mais le plus interpellant avec ce genre d'influenceurs, c'est pas eux. Non, le plus interpellant, c'est le nombre de gens qui les suivent. Alors moi, ça me dépasse. J'ai l'impression de lire la notice d'un micro-ondes, mais en flamand, je ne comprends rien. C'est une énigme. Ces gens n'ont rien à proposer, mais ils sont suivis par des millions de personnes. Enfin, quand je dis rien à proposer, à part les placements de produits douteux, il n'y a rien. Par exemple, les Marseillais à Dubaï, c'est ça leur métier. Être Marseillais à Dubaï. C'est tout. T'enlèves le bronzage et la chirurgie, on dirait un parc éolien. Sauf que contrairement aux éoliennes, ils font du vent et ne produisent rien. Alors, on m'a déjà dit, ouais, c'est un peu facile de se moquer des influenceurs. J'avoue, c'est vrai. Mais je me moque pas vraiment d'eux, hein. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'ils proposent et comment ils le proposent, honnêtement, ils ont pas besoin de moi pour se ridiculiser, hein. Ils le font tout seuls comme des grands. Quand on les voit, on se dit, je sais pas s'il faut rire ou pleurer, moi j'ai choisi de rire. Et je vous donne un exemple. Il y a un influenceur qui propose un casque audio. Je vous cite ses arguments de vente. C'est un casque, il est trop beau, je l'aime trop, c'est une vraie dinguerie. Voilà, pas d'argument, c'est vide, hein. On dirait un discours du roi. Imagine dans la vraie vie, t'es au magasin et le vendeur te sort, vous voulez des infos sur le casque? C'est-à-dire qu'il est trop beau, je l'aime trop, c'est une vraie dinguerie. C'est quoi cette clète? T'as envie de lui dire, vous avez pas un collègue qui s'y connaît un peu mieux? Mais l'influenceur ne s'arrête pas là. Il sort son argument ultime en disant, c'est le même casque qu'une grande marque que tout le monde connaît, exactement pareil, identique. Le gars est suivi par 7 millions de personnes et il te fait un placement de produit d'une contrefaçon. Au calme ! Par curiosité, j'ai cliqué sur le lien qu'il proposait. Hein, oh non ! Si, j'ai cliqué. Génial, donc c'était casquedemescouilles.fr. J'ai eu un fou rire, je me suis dit, il y a vraiment des gens qui se font avoir avec ce genre d'arnaque. T'arrives sur le site internet, il est indiqué. Boutique en ligne, ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'est du génie, j'avais envie de dire. Les gars, c'est une boutique en ligne. Il n'y a pas d'horaire sur Internet. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici d'aller sur un site à 17h03 et de voir apparaître à l'écran un gars derrière un guichet qui dit « Désolé, nous sommes fermés. Faudra vous reconnecter demain. » Non, hein ? Mais alors, le top, c'est qu'en cas de question, il est indiqué que tu peux leur envoyer un courrier. Pas un email, un courrier à une adresse qui se trouve dans le Wyoming aux États-Unis. Donc quand t'es sur le site, t'as l'impression d'être en France. Si t'as un souci, tu dois écrire aux États-Unis et le tout est promu par un gars qui vit à Dubaï. Il m'est déjà arrivé un jour de descendre dans une fosse septique, et ça sentait moins fort. Hein. Alors moi, ça me fait tellement rire que j'en avais fait une vidéo que j'avais publiée sur TikTok et pas de bol, elle a été censurée. Ah ouais? Ouais, en même temps, TikTok, c'est créé par les Chinois. La contrefaçon, c'est leur domaine. Ils ont pas dû kiffer. J'ai un pote qui m'a dit, moi, je pense que c'est parce que t'étais vulgaire, tu traites le gars de con. J'étais là, c'est pas une insulte, hein, c'est un constat. Et puis moi, je savais pas que ça devait rester secret. Et comme je n'étais pas d'accord avec la décision de TikTok, j'ai contesté. Ah. Oh. Et ben, ils l'ont remise en ligne. Oh. Et suite à ça, j'ai reçu un nouvel avertissement. TikTok, c'est peut-être des Chinois, mais dans la boîte, il y a forcément un Wallon. Alors, pas belle la vie.